Erdogan révèle si la Turquie entend demander une aide financière à l'étranger. Ankara ne cherche pas à obtenir une aide financière étrangère, a déclaré ce lundi le président turc. Selon lui, le pays mise sur le recours aux investissements étrangers. En s'adressant ce lundi au Parlement turc, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie ne demandait aucune aide financière de la part d'autres pays. Il a également indiqué qu'Ankara ne ferait pas de compromis en matière de discipline budgétaire. La Turquie ne demande de l'argent à personne. Tous nos efforts visent à garantir des investissements étrangers dans notre pays, a-t-il lancé. Selon le président turc, l'économie du pays est en train de se rétablir, l'incertitude provoquée par la dégringolade du dollar se réduisant. Il a également ajouté que la Turquie entendait résoudre les problèmes du secteur bancaire. Le 28 septembre, la chancelière allemande, citée par Bloomberg, a écarté l'idée de l'octroi d'une assistance économique à la Turquie. Donald Trump a déclaré en août qu'il avait donné son feu vert au doublement des taxes sur l'aluminium et l'acier en provenance de Turquie. Elles atteindront respectivement 20% et 50%, ce qui a provoqué une nouvelle chute de la monnaie turque. Depuis le début de cette année, la livre turque s'est effondrée de 37% par rapport au dollar.